Avec Lego Mindstorm, j'ai essayé de représenter un neurone. Là, c'est la tête du neurone. Le soma, il reçoit des sens comme l'orientation ou le touche Le toucher. ou le toucher ou la vue. Et quand il reçoit ça, il va faire bouger ce moteur pour appuyer sur ce bouton. Et ce bouton, il va envoyer un message à ce moteur d'appuyer sur ce bouton. Et après, et ce bouton, normalement, devrait être relié à ça, qui va faire ça avancer un tout petit peu. Ça, on dit juste que c'est les pieds. D'accord. Donc c'est co ça représente comment le cerveau envoie des messages aux pieds pour bouger, c'est ça? Ou à D'accord. n'importe quelle partie de ton corps. Comme ça peut être ça peut être les bras quand ils bougent ou quand tu clins des yeux, ça peut être tous OK. les moteurs qu'il y a dans ton ou pas tous les moteurs, tous les muscles qu'il y a dans ton corps. OK. Et donc avec les entrées sensorielles, la vue, Oui. etc. Ok, et alors qu'est-ce qui s'est passé avec l'ordinateur? Qu'est-ce que vous vouliez faire et qu'on n'a pas réussi? Normalement, je devais faire qu'il y a un moteur où un moteur bouge Donc tu voulais faire un programme, c'est ça? on attend qu'on appuie sur le bouton 1 pour faire bouger le moteur 1 et sur un. Dans un autre programme qui va être connecté à cela, au moteur, il va se dire, quand mon bouton 2 il est appuyé, fais le son. Ok, de toute façon, on n'a pas le temps de continuer, ça a déjà sonné. Donc voilà, on a présenté le projet, comment faire des neurones électroniques avec le jeu Mindstorm, c'est ça? Il nous manquait en plus une connexion Bluetooth, enfin on n'a pas trouvé. Bon ben merci à tous les trois. Rappelez-nous vos prénoms, donc on a Logan, Jean, Jean Milan. et Milan. Donc merci à tous les trois.